Salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, bienvenue pour un nouvel épisode de Super Smash Bros Ultimate les amis. Ça va être le 15ème je crois de notre aventure. Ça commence à faire, on commence à approcher de la vingtaine hein. Mais comme je vous l'ai dit, ce let's play risque d'être long je pense avec le mode aventure. Donc la dernière fois on était à ce fameux labo, on continue hein. On avait battu ce cher Pichu à la toute fin de la vidéo, donc là on reprend. Alors les amis, du coup pour reprendre il faut reprendre ça. Justement, il s'est passé un petit peu de choses les amis. Encore une fois, c'est vrai que ça vous le savez pas, mais en off, quand je redémarre le jeu, je gagne des espèces d'exploits que je vous ferai voir tout à la fin, vous verrez bien. Mais du coup voilà, je vous ferai voir tout à la fin parce que inutile de vous faire voir à chaque épisode parce que on n'en a pas fini, hein. Honnêtement on n'aurait pas fini. Aussi autre chose, j'ai changé donc l'expédition, j'ai rien mis. Au final j'ai gagné des trucs pas si ouf que ça. Donc je préfère pas le faire. Par contre, la salle de sport a été terminée, donc voilà, on a récupéré des grosses cartes level 99. Et là, c'est des cartes un peu, voire moyennes, médiocres ou moyennes, donc j'ai mis là pour les monter level 90, enfin 99. C'est vraiment pur aspect collection, là, les amis, hein, pour tout vous dire. Donc, voilà, voilà. Alors, par contre... Ah bah oui, lui, je peux le reprendre, j'en ai pas besoin. Donc, alors, où est-ce qu'on doit aller? On était en haut et je crois que il faut aller tout en haut encore, il me semble. Alors, je déteste cette vue, genre, je sais pas pourquoi là, cette vue, j'aime pas du tout. C'est quoi de cette vue? Attends, est-ce que la carte, non, il n'y a pas de carte ici? Merde. Ah, voilà. J'aimerais bien voir ce qu'il faut faire. Ah, je vois qu'il y a un esprit ici. Ouais. D'accord, il y a un esprit là, et c'est tout. Et c'est tout, d'accord. Mais mince, on aurait pu le finir dans l'épisode précédent, là, pour le coup, les amis. Mince, par contre, lui, je suis obligé de le laisser. C'est pas grave. Donc, j'en ai deux, d'accord. Donc, avec deux, je pense que ça aura le faire. Donc, j'en mets un là, et j'en mets un là. Donc, on va voir cet esprit. Alors, c'est peut-être le fameux esprit que Icarus me disait qu'il était horrible. Je crois que c'était ici. Ah bah non, c'est un vétéran. Sol électrique, donc c'est le grand poisson charge. Ça vient de Pikmin, ça, non? Ah non, Splatoon. Ah, mais oui! Ah si, je vois qui c'est, d'accord. Le sol du stage est électrisé. Il paralyse les combattants, les attaques électriques d'adversaires sont renforcées. L'adversaire a le statut XXL, les amis. Ok. Un Pikachu XXL, pourquoi pas. Alors, le sol électrique. Heureusement, nous avons notre Dr. Light qui pourra nous aider. Ah, on peut partir sur un Yoshi de laine, ouais. Ouais, bah on va partir sur un Yoshi de laine. Donc un Pikachu XXL. C'est parti. Et on va prendre Marf. On va continuer avec notre fameux Marf. Alors là, par contre, je me suis pas rentraîné depuis. Même, j'ai fait un petit peu une pause. Aïe. Putain. Tiens. Alors désolé pour le vent, les amis. Oh putain, il me défonce. Eh, dégage! Bah ok, bah il m'a défoncé. D'accord. On va changer de formation. On va le défoncer. Il me saoule. Alors. Ah non. J'ai peut-être pas mieux. Ah non, j'ai peut-être pas mieux. Le ZX. Ah non, il y a 9000. C'est réellement Yoshi de laine, Yoshi de laine le plus fort. Oh, 10000. Mais c'est parce que oh, il est monté, c'est ça. 9009. Ah voilà. Bon, on va essayer ça. Mais il est un peu chiant là ce Pikachu hein. Avec un bandeau vert. Gare! Bon, après, je dois certainement jouer très mal. Mais comme je vous l'ai dit, le problème c'est que Maf, c'est pas mon main quoi. Je le joue, mais vraiment sans plus. Putain.
Quoi? Mais d'où? Voilà. Putain. D'ailleurs, je me demande à quand Link, justement, les amis. À quand Link? Par contre, je vais peut-être refermer. Hop. Voilà. La porte à cause du vent. Désolé, les amis. Comme par hasard, une grosse bourrasque de vent. N'importe quoi. Bon, bah, on a terminé le labo. Ah, voilà. Bah, justement. C'était le dernier. Mais bon, c'était pas ça, du coup, ce qu'il me disait mon frère, parce qu'il y avait un truc assez chiant. Ah, du coup, on libère les barrières. Ok, bah, c'est parfait. Ah ouais, du coup, on peut aller un peu partout. C'est pas mal. C'est sympa. Alors, donc la centrale électrique, c'est fait. Alors, je me demande si... Est-ce qu'il fallait faire ce perso-là? Est-ce qu'il fallait faire réellement cet esprit-là? Ou est-ce que c'est parce que on a terminé le laboratoire, finalement? Enfin bon. Laboratoire est fait. Là, j'aurais bien aimé un petit téléporteur, vous voyez, mais bon. Bon, ça va, ça nous fait pas perdre plus de temps que ça. Mais du coup, il n'y aura pas eu de boss pour ce monde-ci. Dommage. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Donc, on va revenir là. Attends. Ah, c'est juste là. D'accord, ok. Bon, si tu veux. Par contre, j'aimerais bien m'en aller de là. Voilà. Voilà, parfait. Il y a un tuyau, il y a toujours le fameux Jeff qu'on peut rien faire face à lui, pour l'instant. Parce que déjà, si un Pikachu on a galéré, bah alors là, je vous dis même pas comment avec Jeff on va galérer. Ok, bah on va aller ici les amis, pourquoi pas. D'ailleurs on est où dans la carte? D'accord, on est vers le bas, pourquoi pas. Et ben ouais, allez hein. Vous voyez la carte comment elle est énorme. Genre, putain, en 15 vidéos on a fait que ça quoi. Alors, le Ménade géant, bah c'est Yoshi ça. Ouais, ça c'est Yoshi. L'adversaire, le statut XXL, c'est pro. Ok, bah on va le faire comme ça, voilà. Parfait, let's go. Allez, à la recherche d'autres personnages, les amis, nous en manque encore beaucoup. Après ces 7 minutes, hein, il est temps d'avancer un peu. Allez. Voilà. Dégage, c'était quoi ce truc là? Genre j'ai l'impression qu'il était ultra lourd. Anti-chute, ok. Ou c'est peut-être le... Ça doit être le niveau qui doit faire ça sans doute. Manoir Luigi, destruction du manoir. Ouais, le fameux... Le fameux manoir. Alors... Oh, il y a un donjon. Oh, il y a un perso. Ah, pas mal. Alors on va faire lui avant peut-être. Professeur Shops. Donkey Kong. Alors là, je connais pas du tout. L'adversaire se dérobe quand vous entravez ses mouvements. Quoi? Se dérobe? C'est quoi ça, se dérobe? Je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Bon. Écoutez, ce n'est pas grave. Ah. Oh, je sens très bien. Non, Springman, il est en... Ouais, bon, lui, ça large, super. Ah non, ça suffit pas large. J'ai rien dit. Ah bah tiens. Les trois casse-cou. Voilà. Que j'ai monté, justement, les amis. On va pas tester un tout petit peu, mais bon, ils sont vraiment pas forts. Donc voilà. Vous voyez que même monté, on est qu'à 5000 avec eux, quoi. C'est pas beaucoup. C'est un peu ridicule. Mais bon, face à Donkey Kong, ça devrait suffire. Allez. Mais merde. Allez, dégage. Allez. Ah, la maf critique. La fameuse. Quoi? Il est toujours pas mort. Allez, dégage. La maf critique, exactement. La fameuse, les amis. Si vous connaissez pas, c'est la maladie de maf quand il galère à dégager les adversaires. C'est exactement ce qui m'est arrivé, là. Alors, un coffre, et on gagne 500 points d'esprit. Ok, on prend.
Alors, on va aller en haut. Donc là, il y a un personnage. Dis-moi que c'est Link, ça serait génial. Alors, Rondoudou, donc écrémeux, série Pokémon. L'attaque spéciale standard de l'adversaire est renforcée. L'adversaire privilégie les attaques spéciales standard. Ok. Ok. Non, bah là, je sais qui on va prendre. On va prendre la waifu. Voilà, la fameuse waifu. Tsubasa, en forme carnage. Alors, un Rondoudou, avec les yeux bien rouges, bien flippants. MDR. Allez, casse-toi. Non. Ah, ok. Allez, Rondoudou, on se casse. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai l'impression que je galère aujourd'hui, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est l'épisode de la galère. Alors, c'est pas l'épisode qui va nous réussir, hein. Alors, voyons voir. Alors, le dojo, c'est quoi? Maître Anna. Le Fire Emblem. Elle est stylée. En vrai, elle est très stylée. Les armes de contact sont renforcées après quelques instants. Les objets sont attirés par l'adversaire. D'accord. Et c'est une non-élémentale. Ah bah, j'ai un bon non-élémentale. Ah ouais, oh le Bowser, j'ai jamais essayé en vrai. J'ai jamais essayé. Résistance aux armes. Ah oui, monsieur caoutchouteux. Bah allez hop. Une résistance, ça peut être bien. Ça peut être pas mal. Ok, donc Lucina. Lucina qui apparaît dans Fire Emblem Awakening, les amis. Qui est le perso écho de Maf, c'est ça qui est drôle. Voilà. Donc du coup, elle a quasi les mêmes attaques que Maf. Donc avec la fameuse épée hein, qui fait plus de dégâts à la pointe que... Ce qui est complètement con, mais bon. C'est propre, hein, on n'a qu'à dire. Alors, Anna. Ah d'accord, c'est un magasin. Bah parfait. Ça, c'est très très bien. J'en manque justement de magasin. Waouh. Waouh, alors les amis, je pensais vraiment que lui, c'était Sorei dans Tale of Zestiria. Donc j'ai bugué, pour le coup. Je pensais vraiment que c'était Sorei, mais non. Mais non, pour le coup. Alors, ouais. Je pourrais effectivement les acheter, mais je me dis, on va les voir, de toute façon. On va forcément les voir. Donc ça sert à rien. Vaut mieux pas. Alors. On va faire celui en haut. Fiora de Xenoblade Chronicle, d'accord, je ne connais pas. Votre défense est réduite, après quelques instants, d'accord. 9000 d'attaque quand même, hein. Putain. Et c'est chiant, c'est que c'est sur les techs, on va les appeler comme ça, hein, même si c'est pas tech, je pense. Enfin, le hasard serait trop beau. Putain, ils ont que 1100 d'attaque. Oh ouais, ouais, en même temps, on parle d'une étoile, donc c'est logique. Le Zadig, c'est 3006, et le Yoshi a 3009, d'accord. Le Bomberman, il a... Waouh, 5006. Putain, il est pas dégueu. Ah, on pourrait faire ça. On va essayer. Bon, ça va pas être un combat gagné, hein. Ouais, du coup, cette blonde Fiora dans Xenoblade, je ne connais pas. Parce qu'en fait, Xenoblade, j'avais commencé vite fait. En fait, je jouais un peu à Xenoblade. Mais pour... Oh, putain, merde. Mais pour être honnête avec vous, le gameplay... Enfin, non, c'est pas le gameplay. Le graphisme de Xenoblade est vraiment... Enfin, surtout Shulk, quoi. Shulk, il est littéralement dégueulasse, qu'on se le dise. Putain. Tiens. Putain, ça, c'est la poisse. Bim. J'ai réussi. Ok. Bon, là, Fiora, elle était obtenue. Donc, je sais pas quand elle apparaît, pour être honnête. Je suis vraiment resté... Non, je suis pas arrivé loin, en fait, dans le jeu Xenoblade sur Wii. Donc, voilà. Alors, Don Resetti. Waouh, c'est qui? C'est le père de Resetti, ça, non? L'adversaire... C'est Luigi. L'adversaire est équipé d'un marteau dès le début du combat. Oh, putain. Le sol tremble périodiquement. L'adversaire peut utiliser le marteau plus longtemps. Oh, putain, c'est horrible, ça.
Ah bon, on va rester sur cette formation. Attends, peut-être... saut supplémentaire. Non, il sait... Oh, oh. Ah, ou on peut utiliser le heal de la grande fée, finalement. C'est pas mal aussi, hein. Je ne sais pas. Anti-chute, poids plume. Ouais, vas-y. De toute façon, il devrait être bidon, ce Luigi. Bah, finalement, Don Resetti, je sais pas comment il dit. Je pense que ça doit être le frère de Resetti. Putain. Merde. Ok, j'y arrive pas. Et sinon... Dégage. Oh putain! Mais merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Déjà, je voulais essayer de le contre, ça va marcher. Roy, il surnommait le jeune lion. Yes. Bah, il est mort. Oh, il était excellent celui-là. Putain, ce que j'ai fait. Incroyable. Ah, il était génial. Ah, putain, comment je l'ai défoncé. Amiibo est un initial. Et nouveau combattant. Ouais, je sais que tu pars en combattant avec chaque Amiibo. C'était assez marrant d'entraîner un Amiibo. C'était assez drôle. Putain, c'est enfin. Oh, c'est lui. Link. Yes. Remporte la victoire parce que... Putain, il était en bas. Il était là. Link. Putain, je vous ai même pas teasé, je vous ai même pas dit lequel je pensais que ça allait être. Putain, c'est Link, enfin. Bon, dommage, c'est que c'est pas le meilleur Link. J'aurais préféré Yun Link, pour le coup. Young Link. Parce que je joue beaucoup mieux avec. Parce que pour être honnête avec vous, je fais la grosse trompeuse avec lui. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'il joue. Dommage, c'est que je peux pas le charger plus. Et voilà. Bon, on va pouvoir tester Link, c'est cool. Enfin, j'ai déjà testé, mais on va pouvoir jouer avec lui en mode aventure, ça fait plaisir, les amis. Parce que ce Link-là est très fort, mais bon, le problème, c'est qu'il se fait combo facilement, quoi. Mais il va nous être plus utile que Maf, ça c'est sûr. Ce Maf, voilà, quoi. D'ailleurs, on en est où avec les personnages depuis le temps? Ah oui, on en a pas tant que ça. Ah, pas tant que ça. T'as d'ailleurs les tenues de Link, je les trouve vraiment tous stylés. Franchement, je les aime tous. Celle-là est vraiment sympa. L'uniforme de la garde royale est très très sympa. Ah, il met même la tenue dans le jeu. Ah, c'est stylé. C'est classe. J'adore. Alors, voyons voir. On va aller ici. Snake Man. Mega Man. Un smash endurance, réduit les PV. Ok. Ok. Donc d'accord, il nous faut des puissances. Waouh, on va jouer notre Primo Groudon, les amis. Il va faire mal. 11 000. Pas mal. Ah, avec Primo Groudon, on peut tâter un perso en mode légende. C'est peut-être pas mal. Bon, en tout cas, là, on va le défoncer. Le Snake, on va l'éclater. Hop. Ah oui, c'est vrai que c'est un smash endurance. J'avais oublié. Oh putain! Et voilà! Adieu! Bon, après, avec les bombes aussi, c'était pas ouf. Ah, c'était pas ouf pour retester Link. Non, mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez de cette tenue, l'uniforme de la garde royale. Franchement, un grand merci à Nintendo, les amis, d'avoir enlevé ce béret totalement moche pour l'uniforme de la garde royale. Franchement, ils se sont dit, ouais, franchement, c'est les. Les gars, on va le changer tout de suite parce que là. Et ils ont eu raison, putain. Ils ont eu raison parce que là, la tenue est beaucoup plus classe sans le béret. C'est ouf. Parce que si vous demandez d'où elle vient de Breath of the Wild. Hein. Ok, donc on utilise notre esprit et du coup on peut aller en bateau. Alors, voyons voir. Le premier esprit, un poisson. Bah évidemment, double fight. L'attaque spéciale standard de l'adversaire est renforcée. Remporter le combat dans le temps imparti, l'adversaire privilégie les attaques spéciales standard. Ah bon, on peut rester sur ça. Ok, bon, on va affronter le roi des loups. C'est parti.
Let's go. Alors par contre les amis, ça serait très drôle, parce que je pense pas que ça sera le cas, mais ça serait très drôle qu'on a deux personnages, qu'on a deux Link dans cette vidéo à secourir, sans secourir un autre combattant. Hop, et voilà, ça c'est fait. Je l'ai défoncé. Ok, un petit poisson de ballon de fight. Stylé. On prend. Flingue rageur, waouh, j'ai jamais vu celui-là. Je me demande d'où il vient. Enfin, c'est peut-être un objet créé uniquement pour le jeu. Hein. Ah, il est avantagé. Bon, on s'en fout. Sirène, Cerise, The Legendary Starfy. Waouh. L'adversaire regagne de la santé petit à petit. Alors là, celui-là, je ne le connaissais pas. Il était totalement obscur pour ma part. Ah, allez, le modèle ZX. On l'a pas encore utilisé, les amis. Il a bien le droit à son quart d'heure de gloire. Et fake. On va essayer. Fake, comme je vous l'ai dit, quand je l'avais débloqué, pour ma part, c'est pas... Je la trouve pas si mauvaise que ça, hein, dans Skyward Sword. Et voilà, c'est fait. Ouais, parce que les amis, si vous jouez pas Link normal tape fort. Il tape vraiment dur. Le problème, c'est que... Effectivement, tu peux éjecter quelqu'un assez facilement avec, mais le problème, c'est les attaques sont très prévisibles. Oh, bâton étoile. Oh, c'est stylé. Putain. Oh, l'image, elle est classe. L'adversaire est équipé d'un bâton étoile dès le début du combat. Ok, bah au moins, comme ça, c'est dit. Un Kirby. Un petit Kirby. Que je ne sais pas d'où il vient, ce Kirby-là. Merde, j'aurais pu... Ouais, ouais, yes. J'aurais sur ça. Ah, le Marotis Ace me tente bien. Après, le Batch Franklin, ça me tente moins. Pourquoi vous voulez me donner un Batch Franklin à ce point-là? Charge Smash final. Ouais, voilà. Bon, on va prendre encore une fois la Waifux. Comme d'hab, les amis. Un Kirby jaune. Ah! Ah bah non! Pas du tout. Ah non, mais par contre, attends. Hop. Ah, putain. Putain, ils sont horribles. Mais ils sont horribles. Arrêtez les petits Kirby. Non. Putain, ils sont forts. Wow. Oh, j'ai fait la flèche. Quoi? Oh non, il y a plus l'anime. Putain, les amis, on s'est fait voler. Il y a plus l'animation. Putain, je voulais vous la faire voir. Bim, le sabre laser. Ouais, dommage parce que normalement il y a une animation avec la flèche archéonique, donc je sais pas pourquoi il me l'a pas fait. Il a eu la flemme, dommage. Il a dit non, j'ai la flemme. Écoutez, tant pis, hein. C'est la vie. Donc voilà, on s'en est bien sorti, hein, parce que c'était pas gagné. Ah, du coup, on est dans une... Il y a une nouvelle zone. D'accord. Bon, on va aller voir à quoi ça ressemble. On est dans un aéroport, non? Ah, le tour du monde. Ah, je me rappelle. J'avais vu Icarus le faire. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est les fameux... C'est tous les persos de Street Fighter, je crois. On va voir plein de trucs Street Fighter. Ah ok, bon bah on fera ça au prochain épisode les amis. Écoutez les amis, merci à regarder cet épisode de Smash Bros Ultimate, j'espère que vous aura plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et du coup moi je te donne rendez-vous pour la suite. Bye tout le monde!